Mes chers amis, me voici revenu de cette incroyable épopée à bord de la frégate Hermione. Avec quelques-uns de mes camarades, nous allons vous raconter l'histoire de cette extraordinaire aventure humaine. En 4 mois, nous aurons parcouru plus de 10 000 milles en symbiose totale avec ce trois-mâts majestueux qui nous aura conduits jusqu'en Amérique dans le sillage du marquis de Lafayette 2 siècles plus tard. Il y a tellement de choses à raconter. On a subi quand même 5 dépressions, des fronts froids, des orages violents, des fronts ondulants, des grains, enfin, on a eu tout. Le bateau s'est mis agité d'un coup, ça sifflait dans les vents, ça faisait... On ramène les phoques, on répond l'écoute, ouais. Une vraie aventure sans tempête, c'est pas une aventure. On y est là, on est dans le combat avec les éléments et puis c'est ce qu'on aime aussi. On avait envie d'en découdre. Il y a eu une espèce d'histoire d'amour avec le peuple américain, c'est très très clair. On est fiers d'être là. On a réussi à faire de cette aventure franco-française du départ une vraie aventure partagée franco-américaine. Et ça, c'est un vrai sujet de fierté. On avait dit qu'on le ferait, on l'avait rêvé et on l'a fait. Ils ont fait rêver tout le monde, moi le premier. C'est 5 mois de ma vie que j'échangerai contre rien au monde, ça c'est sûr. Enfin, je suis pas la même personne maintenant et je serais pas la même personne si j'avais pas fait ça. C'était la somme de plein de petites personnes un peu plus ordinaires qui ont fait aboutir un projet extraordinaire. Faut rentrer quoi, faut partager.